Le Conseil général de La Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Le quartier du bas de la rivière à Saint-Denis est un quartier chargé d'histoire. La vocation industrielle très précoce de ce dernier en a fait le premier quartier industriel de la ville de Saint-Denis dans les années 1700. Il a donc participé activement au développement du chef-lieu de La Réunion. La rivière était détournée vers un canal, le canal des Moulins, pour faire tourner des moulins à moudre le blé. Au fil du temps, l'équipement industriel du quartier se complète avec l'installation d'une tannerie, d'une usine de transformation de l'aloès, d'un abattoir à l'embouchure, d'une féculerie, d'une distillerie, d'une chocolaterie et d'une fabrique à tabac dans les années 20. Mais l'urbanisation intensive du quartier a complètement dénaturé cet endroit pourtant authentique. Alors comment faire renaître ce quartier? On en parle maintenant dans Lien social. Le jardin de l'État, autrefois appelé Jardin du Roi, n'était pas là où il se trouve aujourd'hui. Jadis, le Jardin du Roi était implanté sur une parcelle de la rive droite de la rivière Saint-Denis, à la place de l'ancien collège Redley, dans le quartier du bas de la rivière. C'est pour cette raison que dans cette ancienne cour d'école se trouve le seul arbre à date de l'île. Après la construction du nouveau collège du quartier, cet endroit est resté à l'abandon, en attente de destruction, pour y faire pousser des immeubles. Mais la présidente du conseil général Nassima Dindar a souhaité faire renaître cet endroit en un lieu innovant. Le conseil général souhaite faire de ce quartier un éco-quartier modèle, servant d'expérimentation pour d'autres quartiers et d'autres communes. C'est dans ce cadre qu'a été décidée la rénovation de l'ancien collège. La renaissance de cet endroit, chargé d'histoire, a intéressé les anciens élèves et professeurs. Un mouvement social s'est greffé autour de ce renouvellement. Les anciens élèves et professeurs se sont mobilisés et retrouvés grâce à l'association Les Anciens du Collège Redley. On a été agréablement surpris parce qu'on ne pensait pas qu'ils allaient faire quelque chose d'aussi beau, de si respectueux de la nature, d'aussi écologique. Et on a été très contents parce qu'on y a été invités et intégrés sans même en faire la demande. Ils sont venus nous voir, ils nous ont proposé de participer à la vie de cet espace et on est vraiment contents, voilà, d'y participer. Alors moi, je suis moi-même une ancienne de Jules Redley. Je suis née au bas de la rivière, j'ai grandi au bas de la rivière. J'y suis partie d'ailleurs il n'y a que quelques mois. Et il y a quelques années, j'ai voulu créer le groupe Facebook pour retrouver mes amis. Et je pensais qu'il n'y aurait qu'une dizaine de personnes dans ma classe. Et quelques années après, on est à plus de 1200 adhérents, de toutes les générations confondues, des années 70 jusqu'à maintenant. Et c'est en se réunissant lors de diverses soirées avec Monsieur Moreau et d'autres élèves qu'on a eu l'idée de créer l'association pour pouvoir se réunir dans de bonnes conditions. Alors le but de cette association, donc, c'est de réunir les anciens élèves, de créer des activités, de faire des soirées où on se réunit, des soirées d'anciens élèves. Mais c'est aussi le but de faire revivre l'esprit du collège. On a des milliers de photos et de vidéos des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qu'on aimerait bien faire, donc, c'est de se retrouver autour d'expositions photos, de soirées retrouvailles, et pour se retrouver et faire perdurer aussi l'esprit du collège. J'ai travaillé pendant 30 ans dans ce collège, et pendant 30 ans, j'ai vu des générations d'élèves qui se sont succédé ici. Et j'ai gardé contact avec, je dis pas toutes ces générations, mais une grande quantité de ces élèves que je revois régulièrement, qui reviennent me voir. Ils sont un peu partout dans le monde. Hein. Moi, j'en ai qui sont en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, etc. On garde contact par l'intermédiaire d'un réseau social. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils ont tous gardé un très bon souvenir de ce collège. Et le fait que ce collège soit réhabilité, pour eux aussi, c'est quelque chose d'inestimable. Effectivement, là, c'est là que j'ai compris vraiment l'intérêt d'un réseau social. Et je crois que pour ceux qui n'y sont pas encore, allez-y, ça s'appelle Les Anciens du Collège Redley. Allez-y, vous allez voir, vous allez trouver des photos, des films, et vous allez surtout vous retrouver. En vous inscrivant sur le site, vous allez retrouver vos anciens camarades et vous allez voir que vous allez passer un très bon moment. Au-delà de cet aspect réhabilitation,
Cet espace Redley se veut vitrine des savoir-faire du Conseil Général, comme avec l'atelier Bois de Goyavier ou la bibliothèque départementale. C'est aussi un lieu de partage et d'échange, où les associations peuvent venir s'exprimer, où des animations seront proposées à la population. Un lieu de vie en somme. Le projet Bas de la Rivière s'inscrit dans le projet Éco-Village que le Conseil Général veut porter à La Réunion pour montrer qu'il y a une identité réunionnaise et en même temps un lien avec la population pour faire vivre et un lien avec les associations pour faire vivre autrement un quartier. Il y a eu, il y a les anciens et puis ceux qui vont au collège aujourd'hui, il y a ce que nous défendons sur l'environnement, il y a ce que nous défendons également sur les lieux d'accueil de la petite enfance, des lieux où les parents peuvent promener de manière sécurisée des enfants, s'amuser avec eux, la bibliothèque départementale par exemple, lieu de création. C'est un projet structurant que nous voulons, pareil, mettre à l'échelle de Saint-Denis, mais aussi à l'échelle de La Réunion, parce que c'est ce que nous voulons préserver dans l'identité que nous construisons avec la population. Donc l'éco-village est un beau projet. Plutôt que de construire seulement et encore des immeubles dans un lieu fortement urbanisé, nous avons préféré l'ouvrir à la population et en lien avec ceux qui avaient occupé cet espace. À l'image de l'espace Redley, le Conseil Général continue de créer, d'innover, de faire perpétuer ces symboles qui font la Réunion. Le développement économique est important pour la Réunion et les Réunionnais, mais il ne peut être durable qu'en préservant les valeurs et l'histoire réunionnaise. Préserver des endroits comme l'ancien collège Redley, c'est préserver la mémoire de la Réunion et construire la Réunion de demain. Le Conseil Général de la Réunion vous a présenté Lien Social. Le Conseil Général aux côtés des Réunionnais.